jour les amis de santé et divertissement, Dieu vous bénisse, trouvez des conseils de beauté, des recettes, des conseils de santé et bien plus encore. Nous mettons en ligne 10 vidéos chaque semaine, pour ne rien perdre de santé et divertissement, abonnez-vous. Et bien sûr n'oubliez pas d'activer la petite cloche, près du bouton s'abonner, pour ne rater aucune vidéo. Si vous passez un citron dans vos parties intimes, cela arrivera. Apprenez à éclaircir les taches sombres sur la peau, maintenant. 4 techniques pour éclaircir les taches sombres sur la peau de la région pubienne. Vérifiez ci-dessous 4 suggestions naturelles pour éclaircir la peau dans ces endroits intimes de votre corps. 1. Aloe vera. Aloe vera est une plante fantastique pour votre peau. Vous devez couper une partie de la plante et passer le gel sur la partie affectée, attendre jusqu'à 20 minutes, puis nettoyer. Effectuez cette procédure tous les jours, car l'aloe vera aide à éliminer les poils, hydrater la région intime et récupérer le tissu immédiatement après l'épilation. Effacez les taches sombres sur la peau. 2. Bicarbonate de sodium. Ce composant a la capacité de libérer les pores, de tuer les cellules mortes et d'aider à la récupération des tissus. Pour éclaircir les taches sombres sur la peau de la région pubienne, vous devez mélanger 2 cuillères à soupe de bicarbonate de soude avec des gouttes d'eau, ce qui entraîne une solution épaisse. Mettre dans l'endroit affecté et laisser sécher naturellement. Attendez environ 10 minutes. Ensuite, lavez très bien à l'eau tiède. L'idéal est d'effectuer cette procédure 2 fois par semaine. 3. Citron. L'acide de citron pénètre dans la couche supérieure de la peau, en équilibrant le ton naturel de votre peau et en éliminant les cellules mortes. Ce conseil, pour éclaircir les taches sombres de la peau de la région pubienne, nécessite l'action suivante, presser le citron pour avoir son jus naturel. En utilisant un peu de coton, placez le jus de citron dans l'endroit intime avec des mouvements circulaires. Il faut frotter pendant un certain temps, en laissant le composé agir pendant 20 minutes. Ne pas oublier de laver très bien avec de l'eau. Si vous le souhaitez, vous pouvez ensuite placer un hydratant naturel pour éviter le dessèchement de la pièce. En outre, vous ne devez pas laisser cette région à la portée des rayons du soleil pendant 24 heures afin de ne pas aggraver l'image. 4. Concombre. Un autre truc domestique pour blanchir les taches sombres de la peau de la région pubienne est de mélanger le jus naturel de citron avec la moitié d'un concombre sans une coquille avec une pincée de safran. Cette combinaison naturelle se traduit par un puissant martèlement. Vous devez le passer dans l'endroit affecté et le laisser pendant 15 minutes. Faites le même processus 2 fois par semaine. Cela arrive parce que le citron aide à nettoyer la peau, tandis que le concombre génère un soulagement de toute irritation. Le safran, à son tour, est un excellent agent de blanchiment naturel. Important. Vous ne pouvez pas exposer la zone à la lumière du soleil dans les prochaines 24 heures en fonction du citron. En cas de doute, demandez conseil à un médecin ou à un dermatologue. Il est important de se rappeler que ces astuces servent également à clarifier d'autres endroits sur votre corps, tels que les genoux, les coudes et les aisselles. Merci de nous avoir visités. Si vous voulez recevoir des recettes pour perdre du poids, prendre du poids, tomber enceinte, infection vaginale, éliminer les kystes, comment traiter le diabète naturellement, des conseils de santé ou des recettes pour la santé et pour vous faire paraître beaucoup plus belle, conseil en amour, faites-nous savoir. Prenez soin de vous. N'oubliez pas de vous abonner. Et bien sûr n'oubliez pas d'activer la petite cloche, près du bouton s'abonner, pour ne rater aucune vidéo. Partage avec nous dans les commentaires si vous avez des questions sur cette vidéo. Si vous l'avez trouvé intéressant, important, n'oubliez pas de partager avec vos amis et famille sur Facebook. Merci, que le grand Dieu vous bénisse.